Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 143e épisode. Aujourd'hui, je vais vous montrer le deuxième thème que j'ai développé pour mon site d'Atodoo. Puisque, comme je vous avais dit il y a pas mal de temps, j'ai fait en sorte que on puisse développer d'autres thèmes et rajouter, en fait, choisir, que les utilisateurs puissent choisir, pardon, leur thème, le thème qu'ils souhaitent utiliser. Donc ça modifiera complètement leur apparence et ce thème-là, j'ai fait en sorte qu'il ressemble un petit peu à l'interface de Facebook et j'ai choisi de l'appeler le thème Zuckerbook. Donc voilà à quoi ça ressemble. Le menu a complètement été transformé en haut. En fait, à l'origine, il y a deux niveaux pour le menu. Il y a le premier avec le logo à gauche et les petits boutons à droite, et ensuite on a le gros menu qui nous permet d'accéder aux différentes pages, actualités, tâches, fichiers, etc. Et ben j'ai fait en sorte de juste en CSS en fait d'afficher ces deux menus distincts, les afficher sur le même à la même hauteur pour que ça ressemble à l'interface Facebook. Et ensuite, bah, j'ai réutilisé le code couleur du site Facebook en l'adaptant un petit peu. Par exemple, mon affichage que j'avais pour chacune des tâches où j'avais la petite photo de la personne, la photo juste en CSS, je l'ai déplacée pour la mettre à côté de l'intitulé de la tâche. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire rien qu'en modifiant un fichier CSS. Donc avec l'interface de thème que j'ai faite, et puis dans quelques jours, donc une fois que j'aurai bien finalisé ce thème, je ferai en sorte qu'on puisse choisir son thème à partir de la page des paramètres. Donc on aura comme ça accès à plusieurs thèmes et pourquoi pas faire des thèmes qui soient uniquement accessibles au compte premium, puisque bah, c'est quand même l'objectif de Datodoo. C'est qu'à terme, j'offre des comptes premium qui eux seront payants. Donc je verrai encore à quel sera le prix, si c'est des abonnements au mois ou à l'année. Enfin, je verrai tout ça, ça viendra plus tard et puis ce sera pour moi l'occasion de vous montrer comment mettre en place des systèmes de paiement sur vos sites web. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur Datodoo, mais ça évolue petit à petit et je pense que de pouvoir justement choisir son thème, avoir un site qui nous plaît, qui est agréable à utiliser, qui correspond surtout à nos goûts, c'est important et c'est surtout quelque chose qui se distingue des sites existants de gestion de projet, puisque bah, ces sites-là permettent de choisir son logo et puis quelques paramètres très basiques comme la couleur de fond de l'écran. Mais ça va pas jusqu'à la personnalisation complète, donc là, bah, à la longue, bah, je vais rajouter plusieurs thèmes pour offrir un Datodoo de toutes les couleurs et qui correspondent à tous les goûts. Donc voilà ce que ça donne. Page de configuration, ici modification du profil. Dans les messages, c'est un peu plus clair. Voilà, donc les boutons ont changé aussi. Et page des actualités, voilà ce que ça donne. Et également, si on va dans le détail d'une tâche, hop, voilà comment sont affichés les commentaires. Donc on reste vraiment dans le code couleur de Facebook. Et puis, bah, ce qui va suivre, c'est d'autres thèmes selon ce qui viendra à l'idée. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Moi, j'ai prévu de faire également un thème Twitter et puis d'autres qui viendront plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions, des commentaires, je suis preneur. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!